Et salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour le 12e épisode sur Carmageddon. Cette fois-ci, on se retrouve dans les mines pour 700 FT Ender. Ouais. Fait. Ok, alors on va voir si on n'a pas la possibilité d'avoir de nouvelles pièces. Ah si, ah, c'est bon, on a atteint le 3e palier. Niveau des pièces, donc on va tout de suite s'équiper en armure. Et on attaque si possible aussi. Nickel, on a tout au niveau 3, c'est impeccable. Donc en termes d'opposants, The Racer, on a Ed 101, les Autoscum, Mec Mania, Ivan le Pâtir. Et Stella Stena, alors elle, c'est un véhicule cheaté parce que son véhicule il produit des éclairs et du coup il grille tous les piétons autour. Donc ça va être un peu chaud pour avoir du temps hein. Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Allez, c'est parti. À changer, savoir si quand fonction du tracé sur les courses, l'architecture du circuit change aussi. C'est à dire qu'il y a certains endroits qui avaient des barrières qui n'en ont plus. Du coup, ça vaut des possibilités sur le terrain différentes. Donc là, je suis passé au niveau 4 au niveau des pièces. Hein, j'ai amélioré tout ça avant de commencer. Donc normalement ça devrait être plus facile de détruire le nouveau palier des véhicules. Déjà là je vais désinguer les débits. Ça va être aussi plus facile de détruire les premiers paliers d'un véhicule. Ouais, on va passer sous la flotte. On va essayer de boucler un tour. Non, faut essayer de zinguer celui-là qui a le laser. La joueuse qui a le laser. Comment on a pu cheater ça? Je suis vulnérable. Le prix. Ok, j'en ai tué deux.
Le bonus c'était grave, tant mieux. Mais bon, tuer 600, c'est un peu long. Ah!
Aïe. J'infligeais des dégâts sur les flics, un peu plus important que qu'avant. J'en reçois quand même aussi. Et voilà, c'est plié. Pardon. Et merci d'avoir regardé ce 12e épisode sur Carmageddon. Et à la prochaine. Ciao.